Elles sont venues vous apporter un message de paix. C'est surtout une incitation à l'unité nationale qui demeure jusqu'ici le cheval de bataille du grand camarade, le président fondateur du Parti démocratique gabonais, son Excellence El Hadj Omar Bongo. Et pour cela, je voudrais vous entendre applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci. Elles ont traversé les forêts, elles ont traversé les savanes, elles ont emprunté Equata, elles ont traversé le Como pour vous faire plaisir. Elles dansent assez bien avec des rythmes tout à fait exotiques. Elles sont là. Mi Kwanya, on applaudit très fort, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voici pour vous le groupe Mi Kwanya. Thank you.
On applaudit encore une fois très 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 fort s'il vous plaît. Wouhou! C'était magnifique. Ouais, non, sa chanson, elle disait qu'elle a traversé, donc c'est long. Merci Monique! On applaudit très fort s'il vous plaît. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Ça va, il faut dire la vérité parce que le mensonge c'est pas bon. Est-ce que ça va? Mi coigna, oh yeah, pose un petit, oh yeah, tout le monde ici, oh yeah, au bac, oh yeah, pardon, roule-moi les tam-tam au bac. Yeah!
Alors, c'est dire hein, le travail que j'ai fait là. Le cœur, ça fait coucou, coucou, Dieu se va tomber. Mais quelqu'un qui est le cardiaque ne peut pas faire ça. Excusez-moi. Bon, si vous parlez, vous, un petit d'histoire d'abord, ok? Bien. Les femmes, oh. Les femmes, applaudissez d'abord, comment? Les jolies femmes comme ça? Ça s'est passé en France. Comme j'étais. J'ai travaillé avant en France, j'étais secrétaire fédéral. Pourquoi vous criez? Est-ce que vous qui sont là, on a le même âge? Mais alors, quand je dis j'étais secrétaire fédéral, vous criez, oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Mais alors, comme j'étais secrétaire fédéral, j'étais mon petit frère. Les ils sont des. Il y avait Jean-Rémy. Et puis M. Martin. Les enfants, là, quand ils viennent en France, c'est pour passer les vacances, non? Quand j'ai dit là, non, ici, je ne sais pas en Gabon, il faut promener doucement. Tu vas voir Jean-Rémy, c'est lui le grand, il dit le petit. Oh, si moi, dis donc, on part en France. Qu'est-ce qu'il y a? Jean-Rémy, tous les matins, il réveille Martin. Voilà, Martin aussi, le derrière, quand il part aussi. C'est-à-dire, c'est toi qui continues pour mener l'enfant là. Si l'histoire, ça tombe là-bas, tant pis pour vous. Voilà les deux types, ils partent. Contrôle cadenté. Les policiers sont les retés. Les blancs. Brrr. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rester un tout petit peu là? Voilà, Martin commence à trembler. Ah, il y a un Thomas Bouliane. Non, il y a un mais rien. Voilà, Jean-Rémy, c'est le grand. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Tout doucement, nous voulons juste savoir de quelle nationalité êtes-vous. Est-ce que vous êtes des Maliens, là? Non, nous sommes des Gabonais. Gabonais, c'est où? Mais c'est l'Afrique centrale. Alors, est-ce que vous pouvez me donner vos cartes d'identité, là, s'il vous plaît? Voilà, Jean-Rémy, il sort le cadre d'identité nationale. Matos, il sort pour lui. Les blagues commencent à dire. Mais c'est des nègres, ça. Ils habitent où? Vous habitez où, monsieur? Dans le cadre d'antenne, c'est écrit Cocotier. Alors, le blanc, quand il avait quartier Cocotier, il dit, mais tiens, tu vois ça, ils habitent les Cocotiers. Mais c'est des vrais singes, c'est pas possible. Musique! Ça va, non? Est-ce que tout le monde a le foulard là? Qui n'a pas le possède? Parce que quand je vais démarrer, c'est dit, même les lunettes, ça va tomber. Là, c'est un avant-goût que je vous donne. Ça, c'est l'autre histoire. Oui, mademoiselle, fouille, ça prend le possède. On le blanc dit que vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas faire le médecin après la mort. Allô? Ça, c'est une autre petite histoire. C'est toujours en France, hein? Comme je vous ai dit, non? J'étais secrétaire fédéral. Alors, moi-même, c'est moi-même maintenant. Je sais pas le grand restaurant de Blas, là. Je rentre, bon. Je vois le barman. Garçon, monsieur. Le Blas vient. Allez, bonjour, monsieur. Parce que là, ils sont le respect. Ils respectent les clients. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Je vous en prie. Mais tu me donnes un grand poulet, là, tout de suite, là. Je vais le casser le côte.
Le type m'a sorti un long poulet, mais ça boit. Avec la pomme de terre, mais je touche que la pomme là. Mais moi, le pain ici, dis donc, je paye, non? Je mets tous les machins dedans, les aromatisés, les mayonnaisés, les sels, tous les poudres de blanc là. Je prends les pâtes là, je commence. Tous les serres, je vais aller. Vous connaissez que les blancs préparent dans les fours, non? Les peaux, les os là, c'est déjà molle. Je bouffe les os aussi. Il ne faut rien lécher. Parce que le blanc, quand il laisse, il met encore les poudres, il va à l'autre. Mais c'est vrai, le restaurant, l'hôtel, c'est comme ça. Si tu ne finis pas ton repas, il prend, il va encore à pierre. Alors je prends tous les os là, je mange, je vale tout. Le blanc vient devant moi, il me révale. Moi, si je mange, je fais ça. Le blanc me regarde. Mais pourquoi tu me regardes dans les yeux comme ça? Est-ce que c'est toi qui es payé ça? Même si j'ai fini tout, où est le problème? Elle me dit donc, c'est incroyable, vous bouffez les os aussi, vous? Mais même si je mange l'os, où est le problème? Alors, monsieur, vous, hein, les chiens n'ont rien finalement. Mais parce que c'est le sien qui a payé les os là pour que ça lui donne ça. Le type, il part payer pour lui. Vous connaissez que le blanc, il a payé? Il paye les salades. Il commence à manger. C'est lui aussi, je le regarde dans les chiens. Pourquoi est-ce que vous me venez ici, s'il vous plaît? Mais finalement, c'est vous aussi. Le mouton ne mange rien ici. Hein? Musique! Mama, o mañi mamona na lili weye de mama.
Yeah, you're
L'année 89. Ah, j'affirme, la star, la révélation de l'année. Et comité de filles. Les universités.
écoutez dans tout le monde entier, vous, sans oublier ici, c'est bas, Wabé et la CAC. Choco Zay, Choco Zay, Choco Zay, Choco Zay, Choco Zay.
J'ai le plaisir de vous présenter la Benjamine de Micronia, la pépinière, s'il faille le dire. Elle va vous chanter. Thank you.
Jaramillo Lua, oye, la Paula, oye,
Chocuta, 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 Chocuta,
applaudit très fort, s'il vous plaît. On applaudit très fort. On applaudit très fort, s'il vous plaît, encore une fois. Alors, mademoiselle, ma femme là que je comptais beaucoup, il n'est pas encore venu. Nathalie, viens ici. Oh. Plaudez pour lui, pardon. Je suis mariée, femme. Hein? Qui est mariée comme moi ici? Alors, chérie, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu ris comme ça? Tu m'as manqué ou bien comment? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Qui n'a pas compris, il a dit que ça va. Vous criez comment? Alors, ma première femme, ça va? Oui, ça va, chérie. Alors, comme j'ai deux femmes, ici c'est Natasha, ici c'est Monique. On appelle ça l'espagnol. Alors, c'est pour moi, on va danser un peu, non? Parce que c'est le disque. M'embrasser maintenant. Il a oublié que c'est comme ça qu'on fait les phases. C'est les phases, non? Quand ton mari te pile les doigts comme ça, il faut que tu restes, n'est-ce pas? Tu n'as pas vu, j'ai dit que reste maintenant. Toi, tu cries encore. Bon, parti, vous oubliez maintenant. Plaudez pour les deux femmes là, pardon. Oh, Baka, oh, yeah! Situation difficile à cause de la chute du prix du pétrole
et la baisse du dollar. Hier, c'était la période des vaches grasses. Ah oui, hein. Grâce à toi, Yaya Boko. Ensemble, nous surmontons la période des vaches, mais avec l'aide de nos vrais amis. Vive Yaya Boko, vive le PDG. Choco,
choke ça, choke ça, choke ça, chuba, mabina chuba, chuba, onigiri chuba, 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 mabina chuba, 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 roboti, robota, roboti, robota, roboti, robota, robo, 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 roboti, robota, roboti, robota, roboti, robota, chuba, chuba.
Yeah.